Pour cette réalisation, on a besoin d'un cadre en bois, des photos imprimées sur papier photo, une feuille scrap avec les versos blancs, une serviette, vernicole, colle mosaïque, pinceau, résine et cristal plus un récipient pour le mélange, un fer à repasser, des outils pour bien bricoler. On prépare bien les bois avec du papier à poncer, dépoussiérer pour ensuite étaler du vernicole de partout. Je laisse sécher. Entre-temps, je coupe les photos pour les mettre en valeur. Une fois les vernicoles secs, posez les papiers scrap et avec les fers à repasser, sans vapeur, on colle facilement les papiers en évitant de faire des plis. Si vous avez de la peinture acrylique ou bien de l'encre, vous pouvez rajouter un petit effet sur les bords et éventuellement corriger aussi des défauts. Maintenant, on passe à la décoration. Je choisis les motifs sur les serviettes et je les découpe précisément. Thank you.
une fois que l'on a décidé, on commence à les coller à l'aide de vernis colle. Délicatement, car c'est un papier qui se déchire facilement. Les photos, on les colle avec de la colle mosaïque, en faisant attention de ne pas les tacher. Dans les kits de résine et cristal, vous avez tout ce qu'il vous faut, à part un récipient que je vous conseille avec un fond plat et des préférences en verre. Je vous rappelle de bien lire les instructions avant de commencer la préparation et de mélanger aussi très doucement les deux composants pour ne pas insérer des boulets d'air dans la résine. Et maintenant, les dernières recommandations. Une fois que la résine est étalée, maintenir la réalisation sur un support bien horizontal. Bien couvrir l'objet pour éviter les poussières. Vous pouvez vérifier 4 à 6 heures plus tard s'il y a des boulets d'air qui se sont formées et les crever avec par exemple un cure-dent ou bien une cuillère en plastique.
Si la couche de résine n'est pas assez épaisse, vous pouvez en rajouter tout de suite ou après séchage définitif. Dans tous les cas, laissez bien sécher les plateaux pour 36 heures. Et maintenant, c'est à vous d'essayer. Merci et à bientôt.